In the world of Dragon Ball, you are a survivor, aspired in a fight temporelle. Your objective, leave the area alive. Your issue, a villain of Dragon Ball is trying to kill you. But you are not alone. 6 other Galériens have the same issue. Try to team up and escape the villain. Will you live alone, while your friends are sacrificing themselves? Or will you be a good guy that helps his team to live? This is what we are going to voir in Dragon Ball The Breakers. Grand fan de Dragon Ball, une seule réaction possible face au trailer du jeu. Je me suis dit, ça a du potentiel, mais ils vont encore chier dans la colle. À ma grande surprise, c'était en fait des heures de fun qui m'ont accompagné ces derniers jours. Comme quoi, ne jamais dire jamais. Jamais. Comme répété maintes fois dans tous les tests du monde, on a affaire à un jeu de type asymétrique. C'est-à-dire, pour les plus ignares d'entre vous, ou ceux qui auraient passé ma magnifique introduction, je vous retiens, que vous allez la plupart du temps jouer un survivant accompagné de 6 autres joueurs, ayant pour but commun de s'échapper de la zone par le biais d'une machine temporelle d'évacuation. Pour ce faire, il faudra réunir et placer toutes les clés de puissance dispersées sur la map. La machine apparaîtra alors au centre de celle-ci, et il n'y aura plus qu'à la charger en combinant vos efforts afin d'échapper aux méchants et ainsi de gagner la partie. Cependant, de temps en temps, vous vous retrouverez à incarner un méchant de votre choix, qui devra donc s'opposer à une équipe de 7 joueurs. Ça en fait du monde. Chaque méchant s'aborde différemment. Freezer est assez équilibré et peut utiliser Zabon et Doria séparément afin de quadriller une zone ou pour l'aider en combat. Cell est le chasseur du trio. Il peut rapidement localiser le ki d'un adversaire et tuer quelqu'un en 1v1. Boo aura un début de partie beaucoup plus difficile. Une impossibilité de localiser le ki des joueurs, on démarre en Spopovitch, hein, Spopovitch, c'est pas forcément le feu. Par contre, il a rapidement des techniques qui lui permettent de gérer plusieurs joueurs à la fois au cours d'un combat. Et à partir de sa transformation en Super Boo, il est probablement le plus dangereux du trio. Et là, peut-être que vous vous dites... Mais attendez, moi si par exemple je joue Freezer, on parle de Freezer quand même. Le mec, il peut faire péter des planètes en moins de 5 minutes. Hein. Enfin, dans le manga, parce que dans l'anime, il faut pas être pressé, c'est sûr. À quel moment, en jouant Freezer, je vais perdre contre 7 bras cassés, sachant qu'en 2 coups, je peux en fumer un. Et là, Premio, je vais vous répondre tout d'abord que oui, pour moi, vous avez tous l'accent du sud et donc vous exprimez comme cela. Segundo, même si comme disait Freezer, 3 moucherons ne peuvent battre un tigre, et ben à la fin, il s'est quand même fait fumer. Et pas qu'une fois. Et Tirso Quattro Vivitus, il y a énormément de paramètres et de retournements de situation possibles dans ce jeu. Et c'est ça qui en fait le sel. Tout d'abord, les survivants peuvent s'équiper de nombreux objets pour lutter contre le méchant. Chaque survivant possède également 4 compétences actives ainsi que 4 compétences passives qui peuvent lui permettre de fuir, de réanimer un allié à terre ou encore de faire diversion au moment opportun. Vous avez également une transformation temporaire activable qui vous permet de gagner du temps, vous enfuir en vous envolant, voire même de terrasser l'ennemi si vous êtes assez nombreux à être transformé et que votre niveau de puissance est assez élevé. D'ailleurs, en parlant du niveau de puissance, ça me permet de rebondir sur ce sujet-là. En tant que survivant, quand vous commencez votre partie, vous allez foncer en essayant de vous disperser au mieux pour fouiller la carte de la manière la plus efficiente possible. Parmi tout ce que vous pourrez trouver, il y aura des cubes de puissance. Ces cubes de puissance vous permettent d'acquérir une transformation temporaire pour votre personnage allant du niveau 1 à 3. Ce niveau de puissance va déterminer la réaction à adopter lorsque vous allez vous retrouver en situation de combat face au méchant. Je m'explique. Si vous êtes d'un niveau inférieur à celui du méchant et que vous vous retrouvez en duel contre lui, si par exemple vous foncez sur lui au corps à corps, il vous mettra une grosse tartine dans la gueule et aura l'opportunité de vous achever, ce qui aura pour conséquence de lui faire gagner des points d'évolution, voire de le faire évoluer, et ainsi de le rendre encore plus menaçant qu'il ne l'était avant votre combat. Pour résumer, votre rôle dans la partie sera lié à ce que vous trouverez au cours de celle-ci.
une personne au niveau 3 de puissance, armée d'un super bazooka, d'une morsure du soleil et d'une attaque Kaioken, va plutôt viser le combat contre le méchant pour gagner du temps. Pendant que d'autres personnes, moins équipées pour le combat, s'occuperont d'accélérer le chargement de la machine temporelle afin que tout le monde puisse prendre la fuite. Quelqu'un qui a la capsule Saiyan en compétence active pourra s'en servir pour changer de zone instantanément, afin de relever un camarade tombé au combat par exemple. Ou alors, pour aller chercher la dernière clé qui fera apparaître la machine temporelle pendant que d'autres personnes gagneront du temps en combattant le méchant. Et là, je ne vous cite que quelques situations que j'ai rencontrées, mais il y a pas mal d'autres variantes que l'on voit au fil des parties. Et c'est ce qui fait qu'on a envie d'en relancer une. Je pourrais également vous parler des boulas du Dragono, qui peuvent retourner une partie en un clin d'œil. On peut tomber dessus par hasard, en fouillant un lieu, en sauvant un Namek, ou on peut aussi les chercher précisément si l'on a trouvé un détecteur de Dragon Ball en chemin. Celui qui possède les 7 balls de cristal peut ensuite faire exaucer son souhait qui lui permet de passer au niveau de puissance 4 et de tenir tête au méchant, voire même de le tuer si le méchant n'est que niveau 2, par exemple. Et un dernier point sur les Dragon Balls, le méchant peut aussi les récupérer, ainsi que le radar. Ce qui peut mener à une situation du genre, vous avez une Dragon Ball, le méchant vous localise et il se met à vous traquer. Le souci étant que vous n'êtes même pas conscient qu'il peut vous localiser. Plutôt cocasse, n'est-ce pas? Pour conclure, je ne vais même pas m'attarder sur certains problèmes de serveur qui résultent en un kick de la partie, les graphismes un peu légers en 2022, ou encore le système de gacha pour débloquer des compétences, tellement il est facile de passer outre ses défauts, vu que les parties sont en général courtes et la recherche de parties est la plupart du temps rapide, à savoir moins d'une minute. Petit coup de gueule également sur le tutoriel du début qui ne nous apprend pas grand chose, donc je finirai par un conseil. Si vous voulez apprendre à jouer au jeu et vous faire votre propre avis, étape 1, lancez une partie pour voir à quoi ça ressemble. De toute manière, vous allez probablement mourir très rapidement. Étape 2, parlez au PNJ robot qui vous explique précisément les règles du jeu, car je n'ai pas tout évoqué dans cette vidéo, bien sûr. Étape 3, lancez une partie d'entraînement seul, afin de bien comprendre le système de combat, les objets utilisables, vos compétences, ainsi que les informations affichées sur votre HUD. Et enfin, lancez-vous! Faites des parties, et vous verrez que vous progresserez. Mieux vous comprendrez le jeu, plus vous visualiserez de moyens de vous en sortir au cours d'une partie. En gros, jouez, avec des potes c'est encore mieux, devenez meilleur, et amusez-vous plus. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que c'est ma première vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Ce sera hyper gratifiant pour moi et ça me motivera à continuer. Sur ce, moi il faut que j'y aille, j'ai des survivants à transformer en bonbons. Des bisous !